Salut à tous. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une ferme qui a été réalisée par les enfants et les adultes au salon Récup ta planète à Tussignol. Alors en 2 jours, on a réussi à faire une ferme qui comporte des champs, une grange, une mine et toute la décoration. Donc au début, nous avons apparu dans cette forêt-là. Après, nous avons commencé à aller dans la plaine. On a commencé à miner. Après, nous avons commencé à construire un mini-champ. Mais en fait, normalement, ça, c'était un champ de blé pour commencer. Sauf qu'après, on l'a un peu agrandi et c'est devenu là. Donc, vous voyez que tout est plat et tout est grand. Là, nous n'avons pas mis d'eau parce que ça aurait été trop galère. Alors là, nous avons un peu des citrouilles. Là, nous avons des cannes à sucre avec de l'eau en dessous. Après, nous avons construit une grange là-bas. Alors, en fait, la grange, elle a été construite avec du bois de chêne, du bois de bouleau. Et en haut, c'était du béton qu'on obtenait. On prenait du sable, un peu de sable, un peu de gravier et du colorant. On le mettait au contact de l'eau et on le minait. Et après, ça, on faisait du béton et du coup, c'est comme ça qu'on l'a fait. Après, dans la ferme. Donc là, il y a 3 blocs de foin. Dans la ferme, nous avons un sol en quartz. Là, nous avons de la laine. Là, des graines de citrouille et de la citrouille. Là, nous avons rien pour l'instant. Là, nous avons des steaks. Là, des graines. Là, des œufs. Et là, du blé. Et là, de la canne à sucre. Après, là, c'est du bluestone qu'on obtenait en faisant ça. Sauf que là, il manque un. Donc, c'est un élément de décoration, comme le quartz qui venait du nether qu'on a construit après. Après, il y a des torches qui sont juste faites avec un bloc de laine gris. Des torches et des barrières. Après, pour les enclos, nous avons des enclos à moutons, des enclos à vaches, des enclos à poulets. Après, pour ce qui est le chemin, en fait, c'était super simple de le faire. On avait juste à prendre... je crois que j'en ai encore une. Attendez, je vais en faire une pour vous montrer. On avait juste à créer une pelle. Et en fait, sur un bloc d'herbe, donc ça marchait pas. C'est pour ça que des fois, il y a des blocs d'herbe où... Enfin, des blocs de terre où il n'y a pas d'herbe. Donc du coup, on n'aurait rien pu faire. Et en fait, on avait juste à cliquer. Et après, ça se transformait en terre comme ça. Après, donc là, on a mis une table d'enchant. Après, une enclume. Et après, pour la mine... On a vu qu'on n'avait pas trouvé de grotte, en fait, on a continué à miner un peu aléatoirement. Et en fait, en dessous du potager, on a trouvé une grotte qui descendait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, pour vous montrer un peu en l'air, la ferme, elle est comme ça. D'en haut, ça donne une vue assez bonne. Ah oui, j'ai oublié de vous parler. Alors, pour ça... C'était une carte des alentours et de la ferme. Donc là, on voit bien tout le travail qui a été labouré. Donc avec un peu d'eau. Un peu, hop. Donc là, je vous montre bien, il y a de l'eau en fait en dessous. Donc là, les plus grands créateurs de la ferme, ceux qui ont fait le plus de travail, c'est Titouan, Lucas, mon petit frère Joad, Mathis et moi. Donc bravo à tous ceux qui sont venus au salon et qui ont un peu participé pour la ferme. Donc merci à vous. Et donc la ferme vue d'en haut, ça donne... en fait, la ferme est assez grande. Il n'y a pas beaucoup de choses pour une assez grande place. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et au revoir.